Je m'appelle Jean-Louis Pénavert, je suis artisan maçon dans la région toulousaine, au nord de Toulouse, dans le Frontonnet. C'est une entreprise familiale de plusieurs générations et là maintenant, sous sa forme actuelle, elle a 30 ans d'existence. Voilà, et puis j'espère qu'elle va durer encore longtemps. Et ce qui fait la force de mon entreprise actuellement, c'est son implantation géographique. Elle est connue, ça fait plusieurs générations qu'elle est dans le secteur. Et puis, comme tout artisan, je suis impliqué dans la vie associative et locale de mon secteur. Et on est connu à ce titre-là. Voilà. La notion de performance énergétique d'un bâtiment, ça a été quelque chose, une révolution pour nous. C'est quelque chose dont on ne parlait pas avant, ou très peu. Peut-être dans les années 74, quand on a dit qu'il faut mettre de l'isolant. On a mis un peu d'isolant par là, mais peut-être qu'on ne l'a pas très bien mis. Tandis que bon, maintenant, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, on a vraiment été sensibilisés, et par nos organisations professionnelles ou par les fournisseurs, à vraiment se mettre dans l'idée qu'il faut bien isoler une maison. Voilà ce qui est fondamental dans le changement de notre attitude vis-à-vis de nos clients. Proposer de l'isolation, oui, en effet, c'est quelque chose que maintenant, ça va être un poste vraiment à part de proposer un poste d'isolation. Et ça, c'est une part importante de mon chiffre d'affaires. La demande du client en matière d'isolation, oui, en effet, c'est une demande pratiquement à chaque chantier où le client va me dire « qu'est-ce que vous pensez de l'isolation ? Qu'est-ce que c'est que la performance énergétique ?» Et c'est là donc l'intérêt de nous de savoir répondre, bien entendu, à cette question. C'est grâce à l'isolation qu'on va économiser de l'énergie. Hein. Au lieu de mettre peut-être un appareil de chauffage très performant, essayons plutôt d'essayer d'économiser l'énergie plutôt que de mettre un appareil qui, lui, consommerait peut-être un peu moins, mais qui consomme quand même de l'énergie. Voilà, donc l'isolation, c'est, à mon avis, là qu'on résoudra le problème de la consommation énergétique de nos bâtiments. Les différents isolants qu'on utilise. Alors on va commencer par le sol peut-être. On va utiliser là des isolants plutôt denses. Alors on fait plutôt avec dans les polystyrènes. Après on va parler, si on parle des parois verticales, celui qu'on utilise le plus, ce sont les laines minérales ou laine de verre. Voilà, essentiellement laine de verre. Parfois du polystyrène, mais moi c'est pas trop mon truc. À l'heure actuelle, je n'isole que les planchers ou les combles, donc là, ce sont essentiellement des laines de verre. Le choix d'un bon isolant, je dirais, bon, un, c'est sa performance énergétique. La deuxième, je vous dis, c'est sa facilité de mise en œuvre. Et après, c'est de questions d'ordre commercial, si c'est facile à trouver, facile chez les négociants, etc.